Oui, c'est un projet en fait de digitalisation d'une IMF rurale dans la microfinance rurale qui est au Sénégal et qui travaille principalement en fait dans le secteur agricole avec une population en majorité rurale analphabète. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est de travailler sur le projet de digitalisation en vue de faciliter en tout cas les opportunités par rapport aux clients, à nos clientèles cibles, donc qui se déplacent sur de longues distances pour aller déposer de l'argent. Mais d'avoir la possibilité, par exemple, de le faire sur les points Wari, par exemple, ou bien Orange Money au niveau du pays. Donc, des points qui sont beaucoup plus nombreux et qui permettraient, en fait, d'augmenter la valeur de nos produits par rapport à notre clientèle, mais également de faciliter tout ce qui est coût d'opportunité pour les clients. L'idée essentielle également, c'est de monter carrément sur un système cloud, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas sur du cloud. Et qui permettrait effectivement une intégration avec d'autres interfaces liées au transfert d'argent et puis à d'autres systèmes qui sont sur la migration, par exemple. Nous sommes dans une région essentiellement de migrants, donc qui permettrait effectivement une sorte de valorisation sur les transferts des migrants à partir effectivement d'autres canaux. Voilà, donc je pense que nous avions eu des premiers contacts au niveau de la SAM, la Semaine africaine de la microfinance. Maintenant, nous avons travaillé un peu depuis la SAM, nous avons travaillé par conférence pour calibrer un peu les différents pas du projet, avec des remontées d'informations que nous avons faites de façon périodique avec Arnaud. Et aujourd'hui, je suis à Luxembourg pour permettre de mieux peaufiner ce projet et puis d'avoir vraiment tous les pans du projet, quoi. C'est-à-dire de repartir au Sénégal avec tout le projet bien ficelé et de sortir effectivement à passer à la deuxième phase. Parce que nous avons des objectifs en fait de croissance que nous permettrait ce nouveau système en cloud, qui permettrait aujourd'hui à l'UFM de passer à peu près, aujourd'hui on est à 15 000, 18, 17, 16 000 clients, qui nous permettrait effectivement d'aller graduellement sur 20 000, 30 000 clients pour les années à venir, quoi. Bon, d'autres partenaires, pas encore, mais bon, je pense qu'on peut mettre à contribution déjà des partenaires qui ont développé avec nous des produits, comme par exemple Mastercard avec Eco, qui a développé, nous avons développé cette année-ci 5 nouveaux produits, donc en direction du monde agricole, sur le warrantage, sur les crédits individuels, sur les chaînes de valeur. Donc tout ça, en fait, c'est à mettre à contribution et puis vraiment de trouver l'ensemble des ressources. Nous sommes à la recherche, en fait, de 2,5 millions d'euros. Donc, en termes de financement de portefeuille pour les 5 années à venir. Et parmi nos objectifs aujourd'hui autour des producteurs, c'est pratiquement près de 39 000 clients producteurs que nous devons desservir d'ici 2024.